nous allons voir Barbarians at the Gates de Patrick Ronda. Donc la partie sweeping. Qu'est-ce que c'est un sweeping? Vous le savez, c'est un balayage des cordes, comme ceci. Nous allons voir cet arpège car il est excellent pour travailler cette technique. On va commencer par un Do dièse mineur. Do dièse mineur, mais ce Do dièse mineur arpégé va être débuté par le Sol dièse. Sol dièse, c'est en fait la quinte de Do dièse mineur. Donc nous allons attaquer vers le bas. Hammer on. Ba, 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 ba. Haut sur la case 16. Pull off. Et je remonte. Haut, haut. Je redescends. Ba, ba. Haut sur la case 16. Pull off. Et je reviens vers le haut. Ce qui donne. Donc bien sûr là je l'accélère, mais le principe c'est le même, c'est juste jouer de manière plus rapide. On va continuer par La majeur. Alors La majeur, c'est le 6e degré de Do dièse mineur. Cette fois on commence par la fondamentale de l'arpège, le La, et on utilise donc le même principe. Coup de médiator vers le bas, hammer on, et là je fais un barré avec le majeur, le deuxième doigt, et que des coups vers le bas, ba, 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 haut sur la 17e case, pull off, haut, haut, ba, ba, haut, pull off, et je reviens. Voilà, donc on a les premiers arpèges du sweeping de Barbarians at the Gate. Ensuite, on va passer à la relative majeure. Donc la relative majeure de Do dièse mineur, c'est Mi majeur. On va de la même manière commencer par la quinte, le Si. Donc cette fois, c'est arpège descendant, ou plutôt ascendant et descendant. Hein. Le principe est le même. Coup de médiator vers le bas, hammer, que des coups vers le bas, haut, pull off, et je reviens vers le haut. Si majeur. Et la partie d'après, on va enchaîner des arpèges avec des septièmes. Donc il y aura Do dièse mineur 7. Mi majeur 7. Et une montée harmonique, Fa dièse mineur 7. La majeur 7. La majeur. Et ensuite, alors là, c'est toujours Mi majeur, mais avec un arpège diminué ici. Et un peu plus loin, on va avoir, alors, Do majeur, un arpège de Do majeur. Qu'est-ce que c'est Do majeur? C'est en fait compris dans la tonalité de Mi mineur naturel. Petit détail technique, j'utilise le micro-manche de ma Strat pour jouer les sweepings. C'est quelque chose d'habituel. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour jouer l'arpège sweepé de Barbarians at the Gates. C'est à vous, à la prochaine.